Les problèmes d'alignement, c'est toujours un enfer. Ah oui, c'est là qu'elle clip. Encore de la place, c'est bon. Ok, bon là, si je fais le côté, ça sera plus simple à placer, je pense. Ouais, pour les catacombes, faut que ça soit 3 étoiles, donc faut que tu prennes... faut que tu prennes 2 héros max pour faire les 3 étoiles, mais ça se fait assez facilement. Juste combattre avec 2 étoiles tout le donjon. Avec 2 héros, pardon, tout le donjon et t'obtiens 3 étoiles. Bon! On va y arriver, bordel de merde! Donc là on est bon, et maintenant ça devrait coller plus facilement. Wouhou! Ok! Êtes-vous prêt pour les raffineries? Près le lac. Ok, on met ça en extérieur. Deux ressources supplémentaires manquantes, qu'est-ce qui me manque? Oh non, il va les chercher dans le truc, c'est bleu, c'est bon. Voilà, quand je vous avais dit les problèmes de FPS, c'est maintenant. Allô? On regarde ailleurs. C'est bon? Là, il veut pas la mettre correctement à cause du truc blanc. Bon, tant pis, on va le mettre par défaut. Et on va galérer, mais on va y arriver. Pourquoi ça lag autant? J'en ai aucune idée. Et c'est juste à... En fait, c'est juste à cause du... comment ça s'appelle? C'est de l'image. Parce que sinon, tu vois, là, ça lag pas du tout quand ça place. C'est à cause de ça, là. C'est ce truc-là, là, qui fait laguer à mort. L'hologramme, c'est l'hologramme. Je sais pas pourquoi l'hologramme fait autant laguer. L'anime, non. Ouais, bon, l'anime, ça fait plein de particules. Du coup, c'est génial. Mais c'est surtout l'hologramme. Merde, j'ai plus de plaque de fer. Bon, en attendant, vous pouvez voir que tout va bien. Il y a juste 2-3 petits trucs à rajouter après, mais all good. Et surtout, je pense qu'il y a beaucoup de cadres lumineux et de trucs, mais bon. Je voulais faire une belle structure. Ok, il nous manque quoi? Ça y est, c'est en train d'être uploadé, les plaques de fer, là, ça arrive. Ça arrive fort. Les 811 plaques de fer. Let's go! J'ai l'impression que c'est quel que soit le PC que ça lag. Parce que ça laguait là-haut sur mon PC qui est moins puissant.
Voilà, on relit tout, évidemment. S'il faut juste rajouter... Non. Je veux... Une petite passerelle. Bon, ça c'est du détail, hein, ça sera... que je pourrais faire aussi, moi, de mon côté. C'est des jonctions qu'on peut malheureusement pas enregistrer dans la blueprint, parce que c'est à cheval sur deux blueprints. Et du coup, ça sort de la blueprint. En fait, c'est dommage qu'on puisse pas changer la façon dont l'hologramme apparaît. Ou quelque chose de style là. Ça serait pas mal. Bon. Est-ce qu'on peut mettre le plateforme, la plateforme suivante, s'il vous plaît? Non, ouais, il faut que j'aille chercher des plaques de fer. Revenons. Oh, bon, on a dû finir le disque dur. Ah! Ça peut être intéressant par rapport à la recette de base. Je sais pas si j'avais une recette alternative. Alors, le seul truc qui est chiant, c'est que ça prend de l'essence. Ça prend quoi? De l'essence et de l'azote? C'est de l'azote, ça? Non, c'est de l'acide nitrique. Ça prend les lingots d'aluminium au lieu de prendre... Non, je pense pas que c'est mieux, mais... Ah bon, on en produit plus, ceci dit. Mais bon. Débloquons la recette, on sait jamais. Je suis pas limité par le nombre de quoi? Bon, il nous fallait... Putain, ça s'est même pas rempli entre temps. De mémoire, il nous faut beaucoup de plaques de fer. Et beaucoup de ça. Ah, de MAM, tu peux en mettre plusieurs, oui. Et beaucoup de cristaux. Ouais, mais dans tous les cas, en fait, je reset non pas pour aller au MAM, mais... Ah, mais comme ça, je pourrais relancer les disques durs, ouais, c'est ça que tu veux dire. Mon étage commence seul de sa raffinerie, pas au sous-sol. Donc, vu le design extérieur de ton étage, en fondation, je comprends pas pourquoi tu places ton BP aussi haut dans l'étage. Oh merde, je suis pas parti du bon côté. Fuck. Ça va aller par des trucs. Mon étage ne commence pas au niveau des fondations. Non, j'ai pas, je comprends pas ce que tu me dis. J'ai fait comme le... J'ai pas compris. No, no comprendo. Mais merci les catacombes, merci sur 4R. Phase 3, ouais, la phase 4, bah... Produit rien pour l'instant des trucs. Ouais, la phase 4, de toute façon, c'est... Y a une phase 5 ou pas? Après, je sais qu'on débloque le tier 9, mais est-ce qu'il y a une phase 5? Oui. Ok, donc ouais, c'est le truc final, ouais. C'est ça. Hein. Tu dois la terminer pour... Putain, mais qu'est-ce qu'on doit envoyer? Là, le plus chiant, c'est les trucs de pâte nucléaire. Pas pour l'instant. Conçu ça en combien d'heures? On est à 155 heures. En prenant notre temps, en chillant à max.
En faisant pour la première fois une usine propre là. Ah mais eux ils produisent en brute force quoi, c'est en mode... C'est moche, mais ça marche. Ouais, direction la plateforme. Non, c'est dans la config que tu peux mettre que tu t'as le keep inventory. En mode. Donc oui, tu me demandais pourquoi je mets pas plus bas. Que j'ai le sous-sol là. Parce qu'en dessous, j'ai l'autre étage. J'ai ça en dessous. J'aurais pu baisser encore, mais je voulais que ça corresponde avec ça ici, tu vois. C'est vrai qu'on aurait pu baisser d'un étage, mais après, ça aurait pas correspondu avec ça. Et ici, je pense que je vais mettre sur les côtés des petites pentes et tout. C'est juste... Oh, pourquoi on peut laisser de l'espace? On laisse de l'espace, hein. C'est le moment de lag. Qu'on est bon là. Ouais, je pense que le jeu avec glitch, tu dois pouvoir le finir très rapidement parce qu'il y a des duplicateurs faciles. Au début, tu fais tout à la mano, dès que t'as débloqué les blueprints, tu mets le duplicateur et voilà, hein, finito. Hein. T'as juste à crafter un de chaque et à le dupliquer. Hein. Adieu le jeu. Quand je clique, c'est un peu violent. Ah, j'ai cru qu'il y avait des trous derrière, mais non, ça loadait juste pas. Après, à tout moment, on peut passer le jeu de ultra à la catégorie en dessous. Hein. Ça peut peut-être soulager un petit peu, je sais pas trop. Ah, le proco chauffe pas, hein. Non, le snap là-dessus ne marche pas bien parce que j'ai de la superposition. J'ai ça qui superpose ici. Donc le snap marche pas bien. J'ai l'impression d'avoir un trou dans le sol. Putain, mais c'est vraiment un bug, hein. On a fait la moitié! Faut que j'attende que ça finisse de se construire. C'est tous les ingrédients qui vont dedans, on voit tout ce qui disparaît. J'aime bien quand ça s'allume à la fin. Qu'est-ce qui me manque? Oh putain, j'ai déjà plus de plaques de fer. Mais merde! J'ai déjà plus rien! Chier! Je sais même pas combien on en a construit.
Charlie ici. Là j'allais tout faire, hein, ouais, ok. Il est où mon câble électrique de merde là que j'ai fait monter? C'est temporaire, hein, pas de panique. Ok, ok, est-ce qu'on peut en construire une de plus là avant qu'on reset? Ouais, presque, presque. Oh là, on l'avait placé parfaitement. Les 811 de fer qui arrivent. Oui, la couleur des tuyaux, faudra que je la set up après. C'est je sais pas quoi, c'est le rendu graphique qui prend cher et on sait pas pourquoi. Bon. Ah, de retour à la base. Le disque dur, bah ça fait pas 10 minutes hein. Ah si. Oh, turbomoteur pressurisé. Je savais même pas que ça existait, ça, les... C'est pas les cubes qu'on doit faire, hein, c'est autre chose, ça. Ok. Ça ressemble beaucoup à ceux là-haut, mais c'est différent. Elle est mieux, cette recette, ou pas? Ça utilise de la vinasse? Ah ouais, de l'azote gazeux, bah toujours plus. En vrai, ça utilise pas de caoutchouc. Ces trucs-là, de toute façon, quoi qu'il arrive, t'as besoin des autres trucs. Ah, mais ça utilise des cadmoliers renforcés, ouais. Ouais, le calcul de la lumière avec le blueprint, ouais, je sais pas. Y a quelque chose qui fait merder, mais bon. Si on pouvait supprimer... Enfin, on pourrait pas supprimer l'hologramme, mais je sais pas. À terme, de toute façon, il y a des modes d'optimisation qui vont sortir. On les plaques de fer. On produit pas assez vite, hein, je peux vous le dire. Et ça devrait suffire. Ça commence à être low les stocks là. Faut que j'aille rechercher ça aussi. C'est quoi, on ira en chercher après. On construit au max là. Béton ? Ah ouais, le béton ça a l'air un peu low les stocks, mais après béton, en vrai je pense c'est ok. Ouais, je suis à 2500, en vrai c'est bon, ça load plus vite que ça n'en dépense. Ouais, genre un Optifine, je sais pas trop quoi. Mais voilà, le jeu lag un peu plus, c'est aussi d'avoir enlevé le fog peut-être. On peut pas lui foutre plus de mémoire à cette factory, qu'est-ce qu'il nous pompe Satis là? Il pompe beaucoup de proco. Étonnamment. Le moment de lag? Dans l'autre sens.
Ok. En plus, ça fait... C'est vraiment un problème d'opti parce que ça fait laguer les... C'est pas que graphique, ça fait laguer les inputs aussi. Très bizarre. Plus que 4. Qu'est-ce qu'il manque? Cristal de quartz. Je crois que j'en ai un peu là-bas dans le blueprint. Ils ont mis un mineur de crypto dans le jeu, ouais. Il semblerait que ça mine bien comme il faut. Par contre, il y a un truc, je sais pas pour vous, mais... Ah, non, 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 ok. On va remettre à fond, mais... Ça va, plus de bruit, mais j'en veux plus de l'hélicoptère, là. Bon, attendez, on avait un petit peu de stock, ici. Ah, pas grand-chose. Ouais, peut-être qu'on va, peut-être qu'on peut se caler une petite boombox, hein, en vrai. Elle est où, ma boombox? Un peu de Zigmu là, ça on a pas besoin ça. On met quoi comme cassette? Allez. Ça nous rappelle l'époque stalinienne, mettons des champs de conquête. C'est considéré comme la... comme l'équipement? Sauf si je la pose. Putain, on va devoir se prendre l'hélicoptère, hein, j'en peux plus. Je meurs par contre. Est-ce que ça pose la boombox ici? Non, je l'ai sur moi. Ouais. Clic gauche. Un peu de basse. Seulement! Ça va bien alors. Turbo bass sur un mob, ça le tue, non? On va essayer. Je crois qu'il y en a ici. Ah, on peut ça? Attends, comment ça? Ah mais oui! Oh! Mais merci, merci monsieur! Oh, belle limace. Je savais pas ça, putain, ça c'est une astuce! Vraiment les buter. Hein. Aïe!
Monsieur! Meilleure arme du jeu. En vrai. Bon, il faut des plaques de fer, mais je crois que... Bon, après, on va stopper la déco là, parce que j'ai un problème. J'ai plus de ressources. Je produis pas assez. Manque d'éclairage, tu dis, non? Ah ouais. C'est la déchéance. Oh, le réacteur qui fait plus le bzzz. Après, bon, chaque blueprint me consomme 800 de fer, hein, donc... On en a mis 32. 32 moins 800, ça fait combien? Ouais, la première usine que j'ai faite, elle va être refaite parce que je produis pas assez, clairement. Mais on fera plus. 25 600, let's go. Je pense que je vais relancer le jeu après, une fois qu'on aura posé les 3 blueprints, parce que... Il y a quelques lags. Juste quelques lags. Pas grand chose, franchement. Vraiment, ok tiers. Merci Max. Merci Damien tout à l'heure. J'ai pas vu. Merci les subs. Il y a un truc dont on va manquer. Non, j'ai l'impression qu'on a... On a l'air d'avoir tout ce qu'il nous faut. C'est vraiment sur l'update des lumières, parce que quand je la place loin, c'est vraiment ça, hein, pour le coup. Bien vu. Je pense que c'est le calcul des autres lumières sur le... l'hologramme. Calcul des reflets, probablement, ouais. Allez, plus qu'une! La dernière! Allez, let's go, on attend pas que l'autre soit construit. Voilà! Ok, donc dans cette usine... Merde, j'ai posé ma boombox quelque part. Elle est là, putain! Tu vas avoir facilement, hein. Tout le clic molette, on l'utilise tout le temps. On va voir si on peut caler les trucs qu'on a dit là.
Et on va d'abord faire des murs là sur les côtés. Pour finir le contour. Mais ouais, on va les mettre ailleurs, les usines de carburant. Peut-être sur le port, hein. Avec des gigatankers et tout. Et maintenant, il faut faire de la demi-fondation. Merci, Edward. Non, en vrai, j'aurais pu faire le lien entre les deux. J'aurais pu les faire à l'étage en dessous. Hein. Faire un truc un peu différent, là. En vrai, ça peut le faire. Merci monsieur Fizo. À la fin tu te rends compte que tout est décalé. Non. C'est good. On a fait les calculs, c'est tout bon. Perfection. D'ailleurs, est-ce qu'il nous reste qu'on finisse les... Ah, on peut en faire deux. Cool. Ça, on va continuer à faire le plein. Donc... Est-ce qu'on a fait les tuyaux? Non, on n'a pas fait la tuyauterie. Bon, la lumière, il suffit juste de faire un petit E là-dessus. Wait, c'est pas connecté là? Pas connecté ça là? On était pas connecté là. Ok, maintenant ça va se... Les endroits où c'est blanc, il suffit juste... Je sais pas pourquoi, ça bug quand on connecte la lumière. Il faut juste faire ça et ça met tout à jour. Ça prend pas la config en compte à moins d'aller dans le menu un coup. Là, genre là c'est blanc. C'est le bruit qu'on entend à chaque fois, comme ça là, tout le temps. Il revient constamment ce bruit. Pas quoi il correspond. Ok. Les pipes maintenant, les pipes. Connexion. Non, parce que c'est juste le bzzz, ça c'est la connexion de Overpack, mais il y a un gros son de fond, ce qui est la même quand t'as fini une recherche ou je sais pas trop quoi.
Ouais, c'est avec le jetpack, ouais, c'est bizarre, hein. Probablement un bug audio. Ça commence à souffrir niveau FPS, je m'en rends compte. Peut-être les calculs des reflets, hein. Peut-être qu'on va tout transformer ça en béton classique. Hein. Je pense que ce serait peut-être pas une mauvaise idée à terme. Pas de reflets sur le béton classique. On verra. Mais le béton ciré, c'est joli. Bon, tout ça, c'est good. Donc. Récapitulons. On a... D'ailleurs, en parlant de ça... Ouais, ce bruit-là, là, trop chiant. Non, c'est pas le changement de source d'énergie du jetpack. Il est là et il fait pas de bruit parce que j'ai mis le jetpack à zéro, donc c'est pas ce son-là, c'est autre chose. Ok. Donc là, on amène l'oil, on la transforme en rubber. Donc le rubber, on ira le stocker. Le rubber, il redescend. Il y aura des raffineries en bas qui le transforment en plastique. Qui font des canisters aussi. Donc tout ça, on va le faire en bas. Donc plastique, rubber et les petits canisters où on mettra le superfoil, ils vont là-dedans. Et ensuite, le heavy oil, je pense qu'il faut qu'on le fasse remonter. Et il nous faut 11,82 blenders, donc 12 blenders. Donc en gros, à cet étage-là, on doit mettre 12 blenders. Blender. Donc c'est 3 de chaque côté, c'est largement possible, hein. Ah, on peut le faire ici, on va finir cet étage et on est good, hein. On est Gucci. J'aurais peut-être pas dû les caler d'un demi, elle, maintenant que j'y pense. Si. Ah, ou les décaler toutes d'un... Ouais, non, c'est pas grave, ça change rien. Je le décale là ou là, ça change pas grand-chose. Ouais, on va... Attendez, on va sauvegarder et relancer parce que... Quelques lags. Son automne rapide comme l'éclair. Après, on va faire un test FPS. Ah ouais, le jeu a besoin de clear sa RAM. On peut pas lui mettre plus de 8Go de RAM à Satisfactory. Faudrait que je le mette sur un serveur Nitro Serve. Je peux le mettre en priorité, mais je vais pas m'amuser de mettre le processeur en priorité parce que j'ai OBS qui va morfler sinon. Ok. Attendez, j'ai des FPS là. Dis donc. Pour l'instant, j'ai des FPS. Bah, avec des mods, mais oui, mais pour l'instant, il n'y a aucun mode de dispo parce qu'il n'y a pas l'équivalent de la mode API qui est sorti encore. En vrai, je vais peut-être le réfléchir à mettre sur un serve juste pour plus que j'ai à transférer les blueprints. Je pense vraiment que c'est pas stupide, ne serait-ce que pour ça. Après, est-ce que ça changera quelque chose au perf du jeu? Un peu moins de calcul côté CPU, mais c'est tout, quoi. Parce que niveau... Enfin, graphiquement parlant, ça changera rien. Hein. Bon, la question à 3 000 $. Est-ce qu'on pose pour l'instant les mélangeurs comme ça? Ou est-ce qu'on fait un joli design? Je vous pose la question. Non, ils seront dans ce sens-là.
dans ce sens-là. Un design. Un design, un design. Ok. Combien j'ai d'espace? J'ai... Ok, faut que ça soit un... Ah, c'est un 3,5. Il faut pas qu'on le colle. Non, on va faire un 3x3. Ok. J'ai pas fait une belle usine pour bâcler la fin. Non, mais en gros, l'idée, c'était d'avancer, de la mettre en route, et ensuite, je ferai les designs, quoi. Vu que on fonctionne tout en blueprint. Pas mis au bon endroit, ce truc. Mais ça non plus. C'est celle-là qui est pas mis au bon endroit. Vu qu'on fonctionne tout en blueprint, c'est facile de... Vous savoir que cette blueprint-là, j'ai refait plusieurs fois. Donc à chaque fois, tu délètes, tu remets... Tant que tu fais pas les jonctions, no complicado, quoi. Bon, du coup, on s'était fait des... Ouais, il faut qu'on fasse le full sol complet, hein. Et les fondations 4 mètres. Parce que l'autre, on se l'était fait sur des fondations 4 mètres. On va faire un 3x3 pour celui-là. Ok, donc il va y avoir forcément le sous-sol et ensuite l'étage, fondation. On reprend le même principe. Après, le 5x5, il y avait deux raffineries. Là, on va mettre qu'un mélangeur. On le centre ou on l'avance? Non, on le centre pour mettre un max de... Ah, sauf que... J'oublie pas que... En fait, faut que je fasse un demi parce que j'ai un décalage avec ces murs-là. Donc on va le mettre comme ça et on va rajouter un demi derrière. Ah, c'est chier un demi, hein. Ou je le mets comme ça. Là, ça sera contre les murs. Les murs, ils font... Quelle épaisseur? Les murs, ils sont à cheval. Il faut bien prendre en compte que... On aura des murs comme ça. Donc on peut la décaler d'un encore. Ah, je vais pas décaler d'un demi-cran. Attends. D'un demi-cran parce que sinon je vais avoir des problèmes. Par rapport aux alignements en dessous. On décale d'un comme ça? Ou est-ce qu'on veut passer derrière? Non, on veut pas passer derrière cette usine, on s'en bat les couilles. Ça c'est bon, hein, c'est... Ça glitchera. Ouais, c'est bon, là. Regardez, c'est aligné propre. Ça posera pas de problème. Ok. On a l'alignement propre. C'est reparti pour la musique. Alors, là-dedans, on a heavy oil et water et fuel en sortie, c'est tout. C'est le alternate dilué, carburant dilué, c'est ça. On nous en font 11,82, on en met 12. On en met 3 de chaque côté. On en met un sur ce poteau-là, un sur ce poteau-là et un entre les deux poteaux, c'est parfait. Ok. Donc c'est bien... Ah, c'est bien comme ça. Je peux faire une blueprint plus large dans ce sens-là, c'est pas un problème. Et on va le faire parce qu'on va avoir besoin.
Parce que on va avoir nos trois tuyaux comme ça. Où est-ce qu'il est le con là? Ok, bien aligné. On va foutre des piliers là-dessous. Ah, sauf qu'on n'a pas vraiment... On peut mettre un pilier entre les deux. Bof, hein. On va décaler. Merci, Vangvik a atteint le level 12. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ah non, ça va pas le faire. Ça non plus, ça va pas le faire. Attendez, parce que si je me cale sur ça... Ouais, mais il y a juste au milieu où je vais pas pouvoir le faire, c'est un... poil relou. Après, c'est que la partie basse. Donc, c'est pas gênant. Ou Dame, ça va être compliqué sur les fondations parce que c'est pas parfaitement aligné. Mais on va se débrouiller. Hein. C'est pas grave, il y aura du nudge de fondation. Merci Vangelis pour la toiture. Nice. Merci beaucoup. Hop. Ça, ça me permettra peut-être d'avoir un repère. Il y a que... Bah, faudra qu'on rajoute un pilier central là, mais c'est pas grave, ça changera légèrement le design. En gros, vous allez comprendre pourquoi je veux faire ça. Ah, sauf que du coup, c'est pas parfaitement aligné, celui-là. Celui-là, il est bon. Après, celui-là, si on le sépare un tout petit peu, c'est ok. C'est de deux qu'il faut le séparer? Ouais, je crois. Bon, l'air centré, là. Ah, c'est vrai que j'avais oublié que c'était en pente, du coup. Il va juste falloir qu'on feinte pour pouvoir mettre les tuyaux. Au moins qu'on les mette plus bas. Je me souviens plus, peut-être que je l'ai mis trop haut. Je me souviens plus. Non, il y a quand même un léger décalage, ouais, c'est ça. Mais je les avais mis trop haut. Après, à part vous faire gagner du CPU, ça fait quoi de le mettre sur un serveur dédié? Ouais, on est bon. Hop. Oui, j'aurais peut-être pu... Non, non, c'est bon. Ils sont bien. Ça produit quand t'es pas là. Ouais, après tu restes AFK dans le jeu, ça produit quand t'es pas là. Mais oui, au moins ça t'évite de lancer le jeu, c'est ça que je
Je comprends. Tiens, est-ce que ça va pas gêner? Ça va gêner hein, si on fait comme ça, oui. Donc, faut qu'on le mette vers le haut. On peut mettre un support mural comme ça? Incroyable! C'est beau! Ok. Ah! Bah oui, il y a un léger décalage. Est-ce gênant? Est-ce qu'on décale le trou ici? On va voir ce que ça donne. Peut-être plus clean. C'est toujours pas bon. Que il faut que je... Ah ouais non, j'ai un micro-tième de décalage. Je peux pas micro-tiéter ça. Ah ouais non, il est entre les deux. À cause du mur, ça. Du coup, on le fait comment? Merci MixV5 qui a fait le tuto. Exclamation raid si vous voulez soutenir la chaîne. Je vais faire quelques missions sur raid pour gagner des dollars, enfin pour moi. Ouais, le problème c'est qu'il y a des bugs en multi, moi c'est le seul truc qui me fait qui m'inquiète. On le fait comment? Est-ce qu'on fait une courbe en dessous ou on fait une courbe au-dessus? Vous préférez quoi? Solution 1 ou solution 2? Ça c'est la solution 1 et la solution 2 c'était avant. Celle-là est mieux hein, je pense. C'est ça la solution 2, je sais plus, ouais, je crois. 1-2-1-2. Ouais, bon, c'est kiff-kiff, on s'en bat les couilles. Pétrole lourd plus eau. De quoi, y a rien de droit. C'est léger, ça. Oh, regarde, ça c'est droit, ça c'est droit, ça c'est droit, ça c'est droit, ça c'est une courbe, une belle courbe, c'est normal. Ça, on a pas de solution, malheureusement. En fait, quand tu mets des connecteurs sur le mur. Ce que je veux faire ici, t'as pas de solution pour les aligner proprement. Ah oui, ils sont légèrement en diagonale les deux, vous avez raison. Bah sinon, c'est ici, mais ça va faire une courbe avec ça. Hein. Je peux pas allonger, c'est à cause du mur en fait. Pas trop le choix. Si on veut que celui-ci soit le droit. Ça se verra pas parce qu'on naviguera comme ça. C'est la boombox qu'on entend. Regardez, est-ce que vous l'avez vu ici? Est-ce que vous l'avez vu ici? Celui-ci est parfaitement aligné, mais regardez. Ici, il y en a un. Vous l'avez pas vu parce qu'il est dans ce sens-là. Bien vu. Et vous voyez, il est légèrement décalé. Ah, enlever le raccord, je suis pas chaud d'enlever le raccord. Non, je peux pas monter là parce que j'ai besoin d'une continuité. En fait, la question c'est, est-ce que vous voulez la courbure ici ou ici? Après... Ah, mais il dépasse. Non, c'est bon, on a la solution. Pas de panique, j'ai la solution. On va tous les nudge correctement, attendez.
Important, c'est les références, c'est ça. Ok, je savais pas qu'on pouvait faire ça. J'ai la solution, j'ai la solution. Ça a marché ça ou pas? J'ai un peu peur. Comment je peux faire des... Est-ce que c'est aligné ça? Ah c'est pas aligné hein. Putain, j'arrive, il manque un incrément. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour faire un demi-incrément? On peut peut-être se la jouer... Vraiment, la technique pour faire des demi-incréments, c'est de passer par un gros panneau, je crois. Peut-être un wall, ouais. Où il y a les walls aussi. Let's go, c'est droit. Ok, alors le seul problème maintenant... Ça, il faut qu'on l'aligne correctement. Il est aligné sur quoi? Sur le centre ici. Il y en a un qui est... Attendez, cela c'est bon. Celui-ci, il était nudge vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Sans doute. Je pense ça a l'air d'être centré. Entre la game de Zera et Kenny et la mienne, c'est pas un contraste. C'est une éclipse. Hop. Ah putain, faut que je fasse la même chose pour aligner ici. Ici. Et ici. Ou un peu chiant à faire, mais bon, on y arrive. Ah, il va pas vouloir me poser un mur parce que... On sort, ok, là c'est bon. Bon ça, la hauteur n'est pas la même. Oh putain, la hauteur n'est pas la même, ouais, bien vu. Cette merde, pourquoi la hauteur n'est pas la même? Oh, c'est à cause du mur, mais non, mais pas comme ça, Zinedine. Comment je peux faire un mur bien? On n'a pas le choix, on va faire comme ça. C'est quoi qui lui gêne? Ah, c'est parce qu'il s'aligne pas correctement sur le bon truc. Ok, là c'est bon. Je crois que la seule solution de le faire comme ça. Jure, on va y arriver. Ouais. Quoi? Ah merde. Bah... Ouais, je m'arrête vendredi pour en récupérer. Y'a quoi? Y'a une pénurie?
Bah ouais, je pense. Il y a une pénurie de pain de mie, comment on fait? Attendez, me dites pas que c'est pas la même hauteur. Mais je vais péter un câble. Pourquoi c'est pas la même hauteur sur les murs? C'est quoi cette merde? Bon bah, validé pour cette hauteur là, hein. Attendez, mais ce mur là, il est pas bon non plus. Oh. J'en ai à la maison, tu veux. J'en ai besoin pour le pique-nique des gamins, là. Ok, au moins ça s'est centré. Ouais. Ici, le centrage, on s'en fout. C'est juste pour le support. Bon, ok, on va dire que c'est good, hein. Ça flotte pas, déjà, ça c'est bien. Mais du coup, je suppose que là, ils sont à la même hauteur que... J'aurais même pas eu besoin de m'emmerder. Je suppose que là, c'est... Et oui, c'est à la même hauteur. Ok. Bon, bah, je saurai maintenant. Et là, c'est centré. C'est absolument pas centré sur celui-là. Mais du coup, il n'y a pas besoin. Puisque on peut faire un truc comme ça. Exceptionnel. Ok. Du coup, maintenant, si on met la jonction... Et qu'on la met dans le bon sens. Et qu'on a, on vise à peu près le milieu. Parfait. Et là, sous vos yeux ébahis, c'est droit. C'est droit. C'est droit. Pas la bonne courbe. J'aime bien quand il essaie de faire un truc qui n'a aucun sens. Regardez, c'est droit, c'est parallèle là. C'est juste un effet de parallaxe, comme on dit. Il y a que ce tube là qui est pas droit, mais on n'a pas le choix. Boom back si on changeait de CD. Alors, on met quoi? On met le Michael? Merci Prom Live! Et merci Someone qui a fait le tutoriel! Merci beaucoup! Le Michael, toujours une valeur sûre. Hein. Oui, il y en a deux. Il y en a deux depuis qu'on a démarré le truc. Ils auraient déjà fait une usine nucléaire. Ça, il va être sur l'extérieur, donc je vais pas faire tout le tour non plus. Ah, quoique, on va les rajouter à quel niveau? Étage du bas? Non, oui, c'est entre. Ok. Comment ça? Mais j'avais fait CTRL-C! Ah, le jeu est trop bien. Après, dès que tu commences à t'engager sur de la déco, c'est un puits sans fond. Tu as la logistique d'un côté et tu as la beauté de l'autre. Le Michael est toujours plus fort que le reste, je sais pas pourquoi. Bon. Maintenant, danger. Le seul truc qui va me poser problème, c'est où est-ce que je vais mettre mes couloirs et mes escaliers qui descendent? Je vais le mettre au milieu? Ouais. Bon là on va faire un demi-danger. Oh non, ça s'aligne pas. Du coup faut que j'inverse tous les autres.
Ok, good. Couleur, on a... C'est du heavy, hein. On a une boucle de heavy et une boucle de flotte. Et en sortie, nous avons du fuel. Il est orange, le fuel. Bah, il est couleur de base, il n'y a pas besoin de changer. Ok. Écoutez, on s'ambiance, hein, comme on peut. Bon, vous avez voulu la déco, on fait la déco. Voilà, voilà. Attendez, est-ce que ça peut être exceptionnel à ce point-là ? Pas exceptionnel. Faudrait qu'on décale de combien? Je sais même pas si on pourrait, hein. Allez, de un cran, ça serait bien. Voyons voir si on y arrive. Trop chiant, on ne peut pas hache le truc. Ouais, c'était plutôt bien niveau centrage. Après, on peut décaler d'un. Non, c'était bien. Mais pas là-bas! C'est un demi-cran, putain. Je jure, on va y arriver. Difficile d'identifier les crans et les demi-crans. Voilà, c'est ça qu'il faut décaler. On va la remettre comme elle était, c'est-à-dire... Centrer là-dessus. C'est sûr que le jeu régale. Voyons voir là. Ouais. Ah. Ok, ok, qu'est-ce qu'on rajoute? On va rajouter des petits... ce que j'avais fait, là. Pour rester dans le thème. Là-dessous. Oui. Just. À chaque fois, je l'ai mis plus haute, je crois, elle. Mais c'est galère à faire, si je ne m'abuse. Si on se base là-dessus. Putain, je voudrais faire une demi. Ah ouais, non, faut le faire là. Non? Voilà, c'est là que je veux.
Vous étiez vraiment là? Ah, c'est légèrement décalé, hein. J'arrive pas à avoir ce décalage-là. C'est pas celui qu'on avait vu. On aurait dû faire un blueprint de ce truc-là. Est-ce qu'on peut H ça? Non, ça décale que sur la hauteur. Comment on peut faire ça? Ah, à moins que j'étais parti d'un truc en bas. Ouais, là, vous voyez, c'est trop haut. À moins que je suis parti sur ça. Il veut pas. Sinon. Que je ferai un world tour à la fin. Ouais! Changer la hauteur du toit et repasser sur le toit de base. Non, c'est juste... Tu vois, j'arrive pas à l'aligner correctement. Et c'est souvent des problèmes comme ça. Il faut trouver le truc qui permet le désaccès. Alors après, je pense que c'est la même histoire. Ça doit être un mur. Un toit, du coup. Non, le toit fait pas un demi. Je sais même plus comment je l'avais fait, tu vois. Si je mets les trucs qui font des demi, t'as les écriteaux, je crois. Je mets un écriteau là. Ah non plus. Pas quoi utiliser. Me souviens plus. Est-ce que j'utilisais le plafonnier? Bah tant pis, hein, ça sera légèrement différent. Parce que... Bah après, là, ce problème, c'est que ça va pas passer si on met... Ah si, attendez, je sais peut-être. Non, tu veux pas t'aligner sur les cryptos, Nick. Bah la fondation au-dessus, c'est le même problème, en fait. J'arrive pas à avoir des deux micrans, tu vois. Ah, à moins que je m'aligne comme ça. Ou alors peut-être. Ah, peut-être. Peut-être qu'on a trouvé. Hop, attendez, faut qu'on remette celui-ci. Merde, il dépasse toujours. On va le faire en deux fois. Bon, j'ai trouvé comment faire. Faudra s'en souvenir le jour où je ferai une blueprint. Un jour. C'est vraiment pas aligné, là? Et j'ai aucun moyen... Ok. Pourquoi sur les autres, j'ai pas eu ce problème-là? De merde. J'ai pas eu de problème sur cela, regardez. Ok, parce que c'est nudge plus au centre. Nous avons trouvé.
Y a pas de demi. Si. Voilà. Quasiment sûr que là c'est le good. Peut-être une blueprint de ça, ça pourrait être fort intéressant. Et ça, je dis rien. Bon, eh, le 4 mètres, t'as intérêt à bien t'aligner, là. Let's go! Par contre, de ce côté-là, il s'aligne pas. Hein? Bon, il est pas parfaitement aligné. Mais c'est... good enough. Le problème du blueprint, c'est que je pourrais jamais comment dire, l'aligner correctement sur ça, je suis sûr. Sauf si je le cale sur ça. On écrit quoi, là? On change un peu la phrase. On écrit quoi? Est-ce que vous avez une idée? On délète tout et on refait tout. Oh no! Qu'est-ce qu'on met comme texte? Merci Kibabi. Pour le sub tout à l'heure. Oh! Merci Vanqui qui a fait les catacombes! Et Pierre Wazir. Attends, y a pas une icône micro pour mettre attention à la marche? Une heure depuis le. depuis le dernier accident mortel. On devra en faire une blueprint, hein, mais... Pour le peu de fois que ça sert, maintenant on sait faire, regardez. Ceci dit, là, vu que c'est là, ça va s'enchaîner, y a pas besoin d'en mettre d'autres. On va juste mettre un panneau de l'autre côté. Y a pas besoin de mettre d'autres supports. Ah, on aurait pu en mettre un là. Non, je pense pas, je pense en vrai y a pas besoin. Ouais, où on met un support au centre. Michael, j'en veux plus. Ouais, comment on a fait? Alerte toximétrique, ouais. Là, ouais, ils sont quand même bien espacés, hein. Je les ai mis dans les coins pour que ça fasse des doubles et ouais, en vrai c'est pas mal. Là, ça va pas mal espacer. Non, on a pas besoin d'autres. Ouais. Faudrait juste mettre peut-être un signe de l'autre côté. Ou on pourrait en mettre un là, en vrai. Là où je en vois bien, c'est un là. Pile au-dessus du truc. Là, ça m'a l'air plus simple parce que ça s'aligne proprement. Ouais, mais il est trop... Ah, il est pas bon, il est trop au milieu.
Regardez, ça va être plus simple cette fois-ci. Oh, on est d'accord, hein, c'est un plus bas. Donc pour ce faire, on a dû faire une pente comme ça et essayer de se caler quelque part. Ouais, en vrai, ouais, c'est comme ça. Non, là, c'est trop haut. Oh, il y a un petit espace. C'est un... Ah, mais si, je sais. Une fois qu'on en a un, c'est bon. Regardez. On peut l'amener ici. Facile! Ouais, je l'ai fait trop long en vrai. Vous savez ce qui manque dans ce jeu aussi, c'est une touche annulée. Des fois, tu fais un truc et t'aurais aimé ne pas le faire. Par contre, pourquoi ça nudge comme ça, là, de façon chelou? Je me le faisais pas ici. Là, c'était bien dedans. C'est pas bien dedans. Comment c'est décalé? Oh, c'est parce que là-bas, il y a le demi-décalage. En Factorio, on peut annuler? Ouais, c'est pas... Ça rend fou par contre, vous voyez. Oh, par contre, attendez, si je fais comme ça... Ouais, si je fais comme ça, on est bon. Ok. Allez, vendu! On écrit quoi maintenant? Syndicat égale licenciement. Les syndicats dehors, je sais pas. Interdit de prendre une pause. Seul Ada décide des pauses. Prochaine manifestation l'année dernière. Pause interdite. Ada, c'est dans le jeu. Pause égale inefficace. Non. Pause égale. Comment on peut dire. C'est quoi déjà le nom? C'est pas le rendement, mais. Productivité. Pause égale. Improductif égale interdit.
Buzz égale faute lourde. Voilà. Oh putain, ça rentre pas, pourtant ça rentrait. Ah, parce que j'ai mis des fautes. Pause égale faute lourde égale licenciement. Voilà, parfait. Ok. Va falloir qu'on se foute quelques plafonniers pour l'éclairage. Parce qu'on ne voit rien. Éclairage tamisé, là. Et on va le mettre... Ah, ça va être compliqué à mettre. On peut en mettre un... Ouais, au-dessus du tuyau, là. Ah. Là, par contre, ça allait jusqu'à la... Ouais, faut peut-être que je le fasse partir de là-bas. Il veut pas. Mais il est trop chiant. Mais il me casse les couilles. Bon, ça je peux le mettre là, c'est pas grave, ça se superposera. Ok, ça c'est changement de couleur pour respecter le reste. Non, c'est 8. Faut qu'on configure... Ouais, la machine, non, on l'a configurée, c'est good. Ah ouais, après, faut qu'on fasse la déco là-haut. Oh putain, on n'a pas fini. Ok, plafonnier. Donc quoi? Ah oui, dans organisation. Ah, sauf qu'il fallait pas la... En vrai, il faut l'avancer. Ouais, faut la mettre là. Youhou. Boire ses larmes, c'est écolo. Meilleures idées, évidemment. Ok, donc maintenant, projecteur mural. Un ici. Un ici. Là, je l'ai mis où? Pas bien centré. Ouais, c'est pas mal comme ça. Boum, boum, boum. Boum. Où est-ce qu'on va mettre la gestion de la lumière? C'est chiant ça. L'escalier. Ah ouais, pas con. Genre juste là. Là, au centre. Ouais, vendu. Ok, faut délaisser ça. Faut délaisser ça. Faut mettre ça là.
Ok, c'est good. Vous savez quoi, on va faire ce qu'on avait dit, on va respecter, on va mettre du MK2 pour l'électricité. Ah bah j'ai délette le truc, super. Super, ouais, bon là on pourra mettre le câble directement. Fait chier, parce que ça va pas reconnecter comme il faut. Y'a quoi qui est là-dedans, là? Tout employé à incapacité et licencié. Ça rentre pas! Ah, dans ce sens-là, hein. Faudrait pouvoir loquer certains trucs. Ce serait trop trop bien. Ok. Et du coup, est-ce que électriquement parlant... Est-ce que ça le fait? Ouais. Non, on voit un sale cap passer à travers. Du coup... Là, c'est parfait. Et ça... On va savoir si tu branches sur le bon. Apparemment c'est bon. Mais qu'est-ce cette histoire? Ça suffit des lampes que derrière, on n'en met pas là. Hein. Ici, on sera près de l'extérieur, on aura la fenêtre. Donc, c'est ok. Ça suffira. Et ça, on configure en... J'aurais pu copier-coller, mais... En 20%. Voilà. Ok. Il va nous rester ça à faire, du coup. Huh. Du coup, est-ce qu'on fait le classico comme on a fait? Je vais de remettre une fondation ou ça? Voilà. Plus la déco. Bon, la déco, je devrais la faire à la fin parce qu'à chaque fois, entre temps, je change tout. Ok, donc là, on met ça. Ah, je sais pas si je le mets jusqu'ici. Soit on peut, hein.
va faire le contrôle de la machine là sur le côté là. Voilà. Dans ce sens-là. Ouais, peut-être pas autant. Oui, il va y avoir les grilles, donc on le met là. Là. Ah oui, la couleur qui est pas bonne. On met en bleu foncé. Hop. Et c'est good. Ah, faut remettre le IPR. Bon, on reste dans le même thème, hein. Je l'avais nudgé comment, celui-là? Ouais, je crois qu'il dépassait d'un. Ok. L'intersection se faisait là. On va regarder. Si on peut faire pareil, c'est mieux. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est dedans, ok. On l'avait bien mis comme ça. C'était quoi? C'était les barrières de construction que j'avais mis. Ici, de toute façon, on pourra pas accéder. Ah, seulement, ouais, on a un petit décalage. Donc l'échelle, faut forcément que je la mette devant. C'est pas gênant en soi. L'échelle, on change la couleur. On met en noir. Non, il va pas y avoir de lag. N'inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, petit pionnier pour le contrôle là. Et nos passaran. Danger machine. Ok, il nous manque juste les contours, mais là, est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire? Je pense pas, on va alléger un peu. Les fameux cadres de piliers, on va les mettre pour ça. Comment on accède à cette échelle? Ça sera par devant, vous inquiétez pas. Ça, est-ce qu'on le fait ou pas? Non. Je le relirai à la... Enfin, le contour, là. Est-ce que je le cadre ou pas? Y a pas besoin pour celle-là, parce que visuellement, elle a plus de sens. C'est pas comme l'autre qui montait très haut. Par contre, on pourrait mettre un panneau. La question, c'est où mettons le panneau? On le met là-haut?
À quel point je peux le mettre là-haut. Genre ici. Il y a un plat... Ah, là, ici. Mais ici, ça va être contre le mur. Le seul endroit où on pouvait. Sur le côté, là. Dans un panneau transversal, mais... On va déjà voir ce que ça donne là. On va voir si ça a un sens ou pas de le mettre. Ouais, ça peut être pas mal là comme ça. Non, non, un panneau comme ça, ouais, pas un énorme. Pour savoir ce qu'on fait là-dedans. Cet ordinateur de contrôle à la base du bâtiment. C'est des pancartes. C'est tout. Ok, et ça, ça produit... Ça produit quoi, ce truc? Ça produit du fuel, hein. Carburant. Est-ce que vraiment... Non, là ça peut passer, ça peut pas passer l'écran, ça rendra pas bien, non? Too much peut-être. Surtout il est pas centré. Ouais, ça fait too much, hein. Ouais. Bof sur les côtés, on est d'accord. Devant c'est bien. En plus il est bien collé et tout. Bon écoutez, ça m'a l'air bien, il nous manque juste la liaison électrique. Boom. Merci Samoine qui a atteint le level 12. C'est entre une approche d'usine hyper alignée, bien rangée ou un bordel monstre mais organique. C'est quoi le plus drôle pour les connaisseurs? En fait, t'es obligé de passer par le... Ah! Non, dans tous les cas, t'es obligé de passer par au début où c'est le bordel. Ne serait-ce que pour avoir la prod suffisante pour ensuite produire des belles usines. En fait, vaut mieux commencer par le bordel et après tu fais des trucs alignés, parce que faire l'inverse, je crois pas que... Tu vois. On va voir un câble là-dedans, je pense. J'ai pas envie de détruire ça. Je sais pas à quel point... On va être obligé de le nudge de... Ouais, non, on va faire comme ça. Ouais. Ah, et sauf qu'on peut pas. Ouais, c'est trop chiant quand ils font ça. Attendez. Faut qu'on fasse une micro-poutre. Pas te mettre droite la micro poutre. Merci Ardès. Merci. J'attends le level 12 sur le raid. Ah, ça met un peu de temps. Oh, t'inquiète pas, ça va arriver. Ça met un petit peu de temps à prendre en compte. Mais ça va arriver. Sauf si tu t'étais enregistré en someone, parce qu'un someone a réussi à le faire. On peut pas faire des demi-incréments sur ça, je vais péter mon crâne. Ok, ouais, de toute façon on pourra pas le centrer, donc on va le mettre là. Mais tu m'énerves là! Ok, à quel point on peut mettre
Ouais. Ok. Faut camoufler les câbles, tout ça. Ok, câble camouflé. Après, faudra qu'on trouve un moyen de relier ça avec... on verra, on trouvera. Il manque évidemment... Ah non, ici, la custo, c'est Nopasaran. Quoique, on a tout remplacé? On a plus mis de Nopasaran, ouais. L'étape après le level 12, c'est t'as les catacombes et sinon après faut ouvrir des shards. La poutre en acier au niveau de la cuve du mélangeur. C'est-à-dire là. En fait, faudra voir. Sur l'échelle, faudra voir l'alignement. C'est qu'on pourrait faire un truc comme ça. Mais il faut que je regarde après. Vous savez quoi, on va déjà sauvegarder ça, on va l'importer. Je vais en effacer une de quoi ou ça. Hein? Ah. Ok. Putain. J'étais rebou. Du coup. Ta-da-da. Et ben c'est bon, on sauvegarde. T'as mal l'air good, non? Je suis pas en endgame du tout, mais je fais une giga plateforme pétrolière pour du carburant. On est en mer. Sélectionner l'icône. C'est quoi? C'est mélangeur. Les répertoires, on est dans ici et on va l'appeler mélangeur, hein. Méga mixeur. Allez hop. Bon, on a notre méga mixeur. Maintenant, faut le placer. Il fait combien? On a dit 5 sur 3. Hein. Un peu plus que 3, il dépasse derrière, mais si, c'est 5 sur 3. Wait. 1, 2, 3. Ok. Donc, si on le place ici, on s'aligne proprement. On a nos 5, là. Sur 3. C'est quoi, on fera on rafistolera les fondas après. Ce qui m'intéresse, c'est en dessous aussi. Plus laisser les bordures quand même. Ok. Voyons voir. Méga mixeur. Méga mixeur, méga lag. Donc le premier. On doit en mettre combien, on a dit 3. Hein. Il nous en faut 12. Donc 3 par côté. Ok, ça tombe plutôt bien. Il a pas l'air de vouloir s'aligner, mais en fait le problème va être la hauteur.
pas de référence pour la, la hauteur. Pourquoi il veut pas s'aligner? Ah oui, mais non, mais c'est ici qu'il faut qu'on le fasse. Ah, parce que c'est des fondations de 2, de 1 et compagnie. Attendez, on peut peut-être l'aligner plutôt de ce côté-là. Oh, ça va être compliqué à aligner. Alors. Ok, c'est dans ce sens-là. Ah, mais non, frérot. Je veux que tu t'alignes sur celle du bas de fondation. C'est trop bien parce que ça lag pas. Ok, là, on était bon. On l'est plus. Là, on est bon. Et là... Ok, là, normalement, du coup, on est bon. Est-ce que du coup on peut passer là? Oui, on a un petit couloir. Oh, avec un peu de chance d'ailleurs. Ah, c'est pas parfaitement aligné cette histoire. Ah ouais, mais ça cause des poteaux du fond qui sont pas alignés. C'est pas... C'est un poil gênant ça, mais c'est pas grave. En fait, il aurait fallu au niveau des poteaux... Les poteaux, j'ai fait... Le problème, c'est que c'est pas la même division en fait. J'ai pas envie de redécaler tous mes poteaux vers la gauche. Parce que les poteaux, ils sont primordiaux pour les fenêtres. On a une double fenêtre ici. Voilà, on va le faire comme ça. Là, par contre, on va s'aligner. Est-ce que on peut s'aligner comme ça et ça passe? Presque. Faut décaler de 1. Ok. On est good. Ouh, plus de lec. Et le deuxième. Il est mis à l'envers, non, le deuxième? Ouais, je l'ai mis à l'envers. Sûr que je l'ai mis à l'envers. Non? Ah non, je l'ai pas mis à l'envers. Je suis bourré, moi. Ok, le dernier. C'est plus facile une fois que t'en as mis un. Enfin, le dernier de ce côté, hein, MDR. Ok, on l'espace de 1. À chaque fois, il y a... Ah, c'est con, hein. Surtout... On va... Est-ce qu'on a besoin de ce poteau-là? Non, on va feinter, on va feinter. Ça m'emmerde trop d'avoir un micro-décalage, c'est-à-dire que... On va enlever lui. On va enlever lui. Et on va les coller. Allô les lags? Allô? Allô? On va se débrouiller ensuite pour le... C'est pour ce poteau-là. En vrai, si on vire le poteau derrière, ça ne pose pas de problème. C'est juste là, la connectique, on a juste à la décaler, en fait. Il n'y aura accessoirement pas de lumière sur ce poteau-là. Ouais. Ou au pire, on n'a pas à la décaler, on s'en fout. Voilà, c'est pas mal. Et surtout, en gros, là, je peux les continuer et les aligner sur ça. Ah, c'est parfait. Ok. Pouvoir faire des beams et du coup, au niveau du câblage... on va pouvoir faire passer par l'intérieur et on sera bon. Du coup... En gros, ce qu'il faut faire, là...
quand tu veux pas, frérot. Ok, je vais le faire en bas, ça... Bref, il faut que j'ai les références. Faudrait que je change... on va changer la blueprint sur 2-3 trucs. C'est quoi la référence? C'est 2x4. 2x4 plus 1. Ah ouais, non, c'est au milieu. Comment on fait pour bien la caler? 2x4 plus 1 mur. Encore le problème de lui. Comment j'avais réussi à le faire ici? Ah, j'étais parti de là-haut. Plus haut. Moins haut. J'ai l'impression que je vais quand même avoir un décalage. Ouais, il démarre pas exactement où il faut. Si vous voyez ce que je veux dire, mais...